Allô? Oui, Murphy, ça va bien, Murphy. Ça va et toi, Merlin? Oui, ça va bien. Dis-moi, j'ai beaucoup de choses à te dire, Murphy. On peut se rencontrer quelque part? Bah écoute, j'ai rien à faire, ça tombe bien. Ah oui, ça tombe très bien. Ok, tu veux qu'on se rejoigne où? Je ne sais pas. Au parking central? Ouais, c'est où ça? C'est au centre de la ville, C'est juste là où devant on le s'est garage. rencontrés? On s'est rencontrés tout à l'heure, aujourd'hui, là? Oui, c'est ça. Ce matin? Oui, d'accord. Ben, on va là. On va là. Ça marche, à tout de Oui, suite. ça va. Oh la vache. Pardon. C'est toi, Murphy? Oui, c'est moi. Oui, d'accord. Attends, je me relis une petite cigarette. Vas-y, je t'en prie, je vais faire la même. Éteins ta moto, elle fait du bruit, ça m'énerve. D'accord. Oui, Voilà, c'est bon, ça m'a saoulé aussi, hein. c'est vrai, hein, ça pollue en plus. Ah, la pollution, quel fléau, hein. Ah, c'est dingue. Bon, il va falloir qu'on parle absolument, mon petit Murphy, là. Il se Ok, passe... bah moi j'ai réfléchi justement cet après-midi. Ah Et je oui, parce pense que... que on va Oui? faire plus de trucs ensemble parce que ça commence à me péter les couilles. Ah oui, et moi j'ai 2-3 pistons là, je vais t'avouer 2-3 trucs, mon Ah, ça petit Murphy. m'intéresse. Tu veux qu'on prenne qu'une seule moto ou tu veux garder ton scooter? Ah bah je veux bien venir sur ta moto, ouais, c'est pas le mien, donc Ah, bon bah d'accord. Moi j'avais un scooter rose mais je l'ai vendu, j'aurais pu te le Ah oui, passer. ah bah ça j'aurais bien aimé. Attends, je monte Ah, c'est derrière. vrai. Oh, on va s'associer avec Tu veux que Murphy. j'aille où pour discuter? Ah bah c'est toi qui décides. À la plage, j'ai envie de voir les dauphins. Allez, c'est parti. En voiture, Simone. Oui, alors attends, je vais essayer de rouler en même temps que tu conduis, c'est pas facile, hein. Donc je vais me concentrer Vas-y, sur je ce vais que je rouler fais. doucement parce que sinon ton Non, travail vas-y, il va vas-y. s'envoler, hein. On est arrivé? Ouais, on est arrivé. Alors attends un peu. C'est quoi la marque de ton casque? Je le trouve super. Oui, c'est un casque rétro. C'est le meilleur casque au monde. Ah putain, faut que je m'en achète un. Eh, vu qu'il fait beau, on a qu'à se mettre torse nu. Ah bah pourquoi pas, hein. T'as de la crème solaire? Ah non, j'ai pas ça sur moi, non. Si tu veux, je t'en étale. Ça ferait un peu gay là, non? Bah, y a rien de mal à entre copains à s'étaler de la crème. Ouais, t'as raison. Mais t'as de la crème, toi? Non, j'en ai pas. Attends, je vais en piquer. Ah bah oui, ah, ok, vas-y. T'en as trouvé? C'est bon. Ah, Oh bien mon dieu, joué. qu'est-ce que Oui. c'est que cette coupe? Mais il m'est arrivé des pépins, Murphy. Ah bah c'est plus qu'un pépin là, Au, dé c'est au une début, pastèque, hein. mais au début j'avais une crête. Après, je me suis collé un sac qui avait de la glu dedans. Donc j'étais à l'hôpital pour qu'on me l'enlève. Là, on m'a accusé de vol de voiture et de recel. Je les ai tous embobinés, Murphy. Je m'en tire bien à chaque fois. Ils m'ont tous cru. Oh Enfin merde. bref, j'ai été chez le coiffeur, j'ai taxé de l'argent à tout le monde. Et maintenant, voilà, je suis avec toi. Ah bah t'as bien réussi, hein. Oui, je m'en sors bien. Et tu sais que j'ai réussi à revendre les pochons? Ah, c'est pas mal ça, t'as réussi à trouver quelqu'un. J'ai même réussi à trouver où on les fait et où on les vend. Bon bah c'est cool, comme ça on va pouvoir faire ça ensemble. Je t'avoue que j'avais quelques points moi aussi. Ah oui? Ouais, j'ai quelques connaissances. Mais le problème, c'est que moi, je ne connais qu'un endroit où il y a de la Marie-Jeanne. Mais t'as vendu et t'as de l'argent sale là du coup, non? Oui, j'ai 2000 et quelques. Va falloir qu'on aille le blanchir. Ah bah oui, mais ça, je ne sais pas faire. Le problème c'est que je connais deux endroits, mais je sais pas s'ils seront là. Mais on peut aller voir. On peut aller voir. Mais il faut être discret, Murphy. Il Ouais, faut faut pas être qu'il nous arrive des discret. pépins. Bon, on ira le changer, je pense. Ouais. Après, cette moto-là, elle est assez discrète. Et je peux D'accord. semer les flics assez rapidement avec. J'ai rajouté un moteur dessus. Ah, ben ça, c'est bien ça. Ouais. Mais si, même si on est deux dessus. Bah honnêtement, elle avançait plutôt vite, hein. Faudra tester, mais. Oui, d'accord. Bah, si tu veux, on pète la gueule d'un flic et on essaye de voir. Bah pourquoi pas? Non, non, c'est risqué quand même. Mais toi, t'as de l'argent à blanchir là aussi? Non, moi j'avais tout blanchi la dernière fois et je m'étais fait serrer par les keufs. Ah bon? J'avais plus de 8 000 $ d'argent sur moi. Et ils t'ont dit quoi? C'était de l'argent propre Bah que rien, t'avais? non, c'était de l'argent sale. En fait, je me suis fait choper au vendeur. Et du coup, ils ont pas trouvé de ciboulette dans mon camion, Ah oui. mais ils ont quand même vérifié les billets, quoi. Et du coup, ils te les ont confisqués? Bah ouais, et j'ai pris une amende assez salée, hein. Oh là là. Et du coup, ils vont te surveiller, t'es sur surveillance maintenant. Non, je pense pas. J'étais très coopératif. Ah oui. Ah ben moi, ils Ah se doutent de rien. J'ai même été au commissariat avec ma fourgonnette remplie de bœufs. ouais. Bon. Oui. T'as une fourgonnette? Ah ben oui, c'est la fourgonnette rouge devant l'hôpital. Je l'ai laissée là parce qu'ils commencent à se douter d'un truc. Je leur ai dit que c'était pas à moi. Plus c'est gros, mieux c'est, hein. Ah oui, non mais moi ça passe. À chaque fois, je m'en sors bien. Bon, écoute, ce qu'on peut faire ce soir, c'est qu'on aille blanchir ton argent. Ok, bah je me rhabille alors. Allez. Après, je dois t'avouer que j'aime bien te voir torse nu. Ça me gêne un peu, hein.
Ok, tu veux qu'on aille... Ah bah toi t'es en tenue toi, t'es parfait. Je vais aller me changer vite fait. Remarque, tu me diras, là où ils sont, y a pas besoin. T'es sûr? Regarde là, je suis bien habillé là. Non, parce que si on est habillé trop, tu vois, trop louche, les flics ils vont se douter de quelque chose. Ils risquent de nous suivre. Que si on y va à la cool... Ah oui, t'as raison. Ça ira tranquille. Ah oui, t'es malin. Attends, je vais faire ça. Mais je vais changer de case parce que le rose, ils savent que c'est moi. Oui, oui. Regarde, j'ai le même en beige. Ah, il est pas mal. Ah oui, oui. Bon, il y a un petit peu de route, hein. J'espère qu'ils seront là ce soir. Je t'avoue que je regardais les... S'il n'y avait pas les revendeurs là, parce que j'ai 2-3 pochons à vendre. Ah oui, moi j'en ai pas. 2-3 ciboulettes, ouais. Mais t'en as eu quelque part? Parce que moi je les ai eu au même endroit que la dernière fois. Ouais, moi aussi. Mais je connais d'autres endroits. Ah oui, bah ça m'intéresse parce que moi j'en connais pas d'autres. Ah, faudra aller voir s'ils y sont là-bas. On arrive bientôt. On est bientôt arrivé. Oh oui, t'inquiète pas. Quand est-ce qu'on arrive? J'étais au premier endroit, mais elle était pas là. J'espère qu'elle va être là-bas. Sinon, c'est la merde. On va bien voir. Sinon, on pourra faire de la viande. Ouais, on peut, sauf qu'il y a un... Enfin, on peut plus. Les paysans, ils veulent plus qu'on tue leurs vaches. Ah, mince. Ouais. Allez, du coup, il faudra un pistolet pour tuer des bambis. Ah, bah oui. Ouais, Moi, j'attends là pour passer mon PPR. Ah, bah, moi, j'ai peur. J'aimerais bien le passer, mais déjà, j'ai pas assez. Mais ensuite, je sais pas si je réussirai les tests. Bah, t'as passé le test avec. À l'hôpital? Ah, j'ai fait aucun test encore. Ah, d'accord. Mais j'ai peur que mes connaissants ils refusent. Ah, sur un malentendu, ça peut passer, hein. Ah, oui, mais alors il faudrait connaître quelqu'un qui revend des armes sinon. Ouais, j'en connais pas moi. Ouais, moi non plus. C'est vrai qu'elle va vite ta moto. Ouais, ça va, hein, je suis étonné, hein. Et à tout seul, ça fait du 160-170. Et elle a coûté combien? Celle-là, elle coûte 19 000, je crois. Ah, oui, quand même. Mais dis donc, comment tu t'es fait autant d'argent, toi? Bah, la ciboulette, hein. Ah oui, c'est vrai. Les lapins, ça rémunère. Ouais, exactement. On va faire attention là parce qu'il y a les flics qui traînent souvent ici. D'accord. Parce qu'il y a des gangs. Ah oui, des vrais? Ouais. Avec des pistolets et tout. Ah ouais, ouais. J'en ai jamais vu pourtant. Bah, si tu vois des types louches, tu fuis. Pourquoi? Bah, ils peuvent te faire très mal, quoi. Mais je suis beaucoup plus fort qu'eux. Ah, mais t'as pas de pistolet. Ah oui, c'est vrai ça. Et pourquoi les policiers, ils les arrêtent pas? Bah, ils sont nuls, les cadets déjà, ils peuvent pas aller au nord. Ah bon, pourquoi? Ils ont peur? Bah, ils ont pas l'autorisation. Ah, vraiment, des petites filles, celles-là. Ah, y'a pas. Okay. Allez, y'a pas là. On ira voir à d'autres endroits. Tu veux te faire un peu de ciboulette au pire? Bah oui. Ok. Faudra peut-être qu'on aille chercher ta camionnette pour que tu puisses le stocker dedans. Ah, mais il en faudrait une autre, elle est repérée, ma camionnette. Hein. Tu veux qu'on vole quelque chose? Ah, oui, il faut en prendre une autre. Ouais. J'espère juste que les vendeurs seront là. Avec, je pouvais mettre 90 kilos dedans. Bonjour, on vient acheter du pain. Elle est pas là. Oh là là. Elle est pas là. Bon, alors bouge pas. On va aller voir un petit endroit. Et y'a pas de fête de prévu ce soir? Je sais pas, faut que je demande à Ashley. C'est elle qui organise les fêtes? Attends, faut que je vérifie. Ouais, généralement. Moi j'oublierai jamais, hein, le striptease. C'était mémorable. Ah oui, oui. Bon, je t'avoue que j'ai oublié un peu de trucs parce que j'ai dû me noyer dans l'alcool après ça, mais... Ah bah oui, c'est vrai qu'on a bu, hein, quand même. Ah, un petit peu. Ok, essayons d'être discrets. Ok, là ça peut être dangereux ici. Ah oui. Et pourquoi? Ah, parce que là on est sur la ferme des O'Neill et les O'Neill ils sont pas très... Ah bon, ils sont là les O'Neill? Bah je sais pas, mais ils sont sûrement couchés à cette heure là. Klaxonne pour voir. Tu veux qu'on aille klaxonner chez eux? Non, arrête, je veux pas de problème. J'éteins mes phares. Oui, soyons discrets. Il y a que des tomates ici. Ah, crois-moi. Attends, fais demi-tour. Oui, il y en a. Où ça? Regarde, allez, recule encore. Voilà, regarde. Oh là, j'ai l'œil pour les lapins moi mon pote. Regarde ça. Oh les beaux lapins. Oh les beaux lapins. Ah t'en vois toi là? Ah oui. Ah moi je les vois pas. Ah oui, mais t'as trop fumé alors. Ah je pense, tu peux garder ma moto, je vais prendre un petit Doliprane. Oui vas-y, mais je peux pas les utiliser par contre. Ah pourquoi? Bah je sais pas. Ah tu peux pas les utiliser? Ah non, j'arrive pas, y'a pas de tête. Je pense que ce champ là il est plus utilisable. Ouais je pense aussi parce que je vois pas de tête. Il y avait bien les pieds et tout, mais impossible okay. De récolter. Mais déjà, c'est bizarre que tu les vois, toi. Ouais, attends, ouais. Bah, c'est pas grave, on va aller à un autre endroit. D'accord. Mais t'as vu comment je les ai repérés d'un coup? Ouais, j'ai l'œil, hein. Ah bah ça, t'as l'œil, hein. Ah oui. Avec ton âge. Ah ouais. Si on croise des loups, tu leur mets un coup de pied comme ça. Comme ça? Comme ça. Comment tu fais? Faut que tu te tiennes bien, tu vois, à l'arrière. Et bah tu la maintiens et voilà, ah oui. Oh là là, la vache. Ninja. Ah, c'est trop bien. Je suis trouvé une nouvelle passion. Fais gaffe parce que si tu le fais contre des voitures, tu risques de te briser la cheville. Mais hein. Non, t'inquiète, j'ai une cheville assez solide. Ah, c'est vrai? Ouais, non. T'as fait du foot?
Ah, j'ai fait du croquet. Du croquet? Non, du cricket, je voulais dire. Croquette, ouais, c'est pas mon chat. Croquette, c'est... Attends, lui. Ah, c'est un O'Neill. Attends, on va lui baiser sa mère. T'es prêt? Ouais, vas-y. Ah, le bâtard. Attends. Il nous a cramé, je crois. Ça va, il est un peu con. Je crois qu'il a compris nos intentions. Ok, vas-y. Ah, allez, pute, oh, oh non. Je me suis pris des balles. Je me suis pris une balle. Ça va. Je me suis pris une balle dans le dos. Faut que tu m'emmènes à l'hôpital. Je roule. Mais roule. Oh, je me suis pris une cartouche. Je sais pas où on va, Merlin. C'est pas grave, roule. Je roule. Je sais pas s'il nous suit encore. La vache. Je me suis pris une bastos dans le dos. Je me casse de là. Emmène-moi à l'hôpital. Je t'emmène. Emmène-moi vite. Oh, ça pique. Oh merde, il avait un flingue, ce fils de... On peut ramasser son flingue, tu crois? Il nous suit. Okay. Ralenti, mais j'ai mal là. Attends, faut qu'on aille à l'hôpital. Ah oui. C'est pas grave, ça sera sur le chemin après. Je me suis pris une bastos dans le dos. T'as une sacrée balle dans l'épaule, hein. Ça ah ouais, j'en ai deux en fait. Une dans le dos. Elle est ressortie? Ah oui, je pense qu'elle est ressortie dans l'épaule. Oh putain, j'espère qu'il y a des médecins. Aïe, ça pourquoi pique. Ça part toujours en couille quand on essaie de faire quelque chose? Ouais, mais je sais pas. Je t'ai dit, il m'arrive que des bricoles. À la base, c'était juste un petit coup de pied en plus. Bah oui, ça. Enfin, c'est c'était amical, quoi. Bah oui. Comme ça, tu vois. Doucement, te bouge pas trop parce que tu vas pisser le sang. Hein. Ah mais je pisse déjà le sang. On va dire quoi comme excuse? Bah... On était en moto, on a rencontré... On s'est fait tirer dessus par des chasseurs. Ah oui, des chasseurs. Des chasseurs, on voulait chasser le lapin pour je commence soir. À voir bleu et blanc, là c'est normal. On s'est fait tirer dessus par des chasseurs. Non, c'est pas normal, attends, bouge ah, oui. On arrive, on est bientôt arrivé. Il y a des petites étoiles quand même, hein. Tu crois? Ah oui, putain. Regarde la position que j'ai. Qu'est-ce que tu fais? C'est une super position. Tombe pas, hein. Ouais, non, j'essaye. Accroche ton slip. Ouais. Il y a du sang qui coule de mon nez, c'est normal. Non, c'est pas normal. Ah, d'accord. Je commence à faiblir. Tiens bon, Merlin. Oui, ça va aller. Oh ah. À l'aide, s'il vous plaît. Ils ont pas les couilles. Klaxonne-le. À l'aide, aidez-nous. À l'aide. Aïe. J'ai un homme derrière moi qui s'est fait tirer dessus, vous pouvez le conduire à l'hôpital. Oui, s'il vous plaît. Oui, montez. Mais gratuitement. Ah, monte, Merlin. Oui, d'accord. Pas, je paierai. Aïe. Oh, allez. Ah, merci, monsieur. Il n'y a pas de soucis. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Eh ben, il y a un monsieur, il nous a tiré dessus. Et ça s'est passé où exactement? Ça s'est passé là-bas. Et là, ça pique, ça me brûle un peu. D'accord, bah écoutez, je vous ramène à l'hôpital de... Ah oui, ça va bien. Alors on n'a rien fait, hein, monsieur, il a sorti son pistolet, je ne comprends pas. Vous avez porté plainte, hein. Ah ben oui, je vais porter plainte. Est-ce que vous pouvez mettre sur le GPS le chemin pour aller à l'hôpital? À l'hôpital, oui, je vais vous montrer. Mais vous avez déjà mis un repère dans le GPS, annulez votre... Attendez, je vais faire moi, parce que sinon ça marchera pas. Oui, voilà. C'est pas grave s'il y a un peu de sang sur votre banquette. Non, vous en faites pas, c'est pas grave. D'accord. Je vois des petites étoiles qui chantent. Ah bah ça c'est normal. Ah oui, les petites étoiles qui chantent, c'est normal. Oui, en même temps vous venez de me faire tirer dessus donc... Voilà. Mais oui, mais pourquoi ils m'ont tiré dessus? J'ai rien fait moi. Ah, alors ça j'en ai aucune idée. Ah ça me brûle. Ah, on est vite arrivé là. J'ai super mal. Ah oui, on est arrivé. Faut klaxonner fort. Ah mais c'est quoi ça? Ça va, Merlin? Ah ouais, mais ça me brûle de viens partout. Vite. Attends, je vais chercher de l'aide. Oui, va chercher de l'aide. J'ai super mal, ça me brûle. Allô? À l'huile. Ah, je blague quand même, hein, même si j'ai mal. Allô? À l'huile. T'es en service? Oh putain, qui c'est qui est en service ici dans cette putain de ville? Mais y'a Merlin qui s'est fait tirer dessus là. Il est à l'hôpital, il est en train de gérer sous un pneu. Oui, j'ai très mal. Mais il est très blessé. Oui, je souffre. Ah, la balle est ressortie, il y a juste à mettre du pétrole et... Mais en fait, il est pas mort, il est... Enfin, il est pas au sol, il est par terre, mais il est en train de gémir, mais il est encore conscient. Oui, je suis conscient. Mais on fait quoi? On lui laisse les balles qu'il a dans l'épaule? Mais non, ils sont sortis les balles, et ça me brûle en plus. Ok, il est devant l'hôpital. Oui, ça pique un peu. Bon, elle ramène sa fraise, Ashley, ou quoi? Elle arrive. Oui, vite, Ashley. Qu'est-ce qui se passe, monsieur Merlin? Bah ça va bien, en fait, on cherchait des lapins. Ça va, et il y a des chasseurs qui nous ont confondus avec des lapins. Oui, je suis pas un lapin quand même. Et ah on merde. A. Bah surtout oui. Qu'il a plus un poil sur le caillou, donc je sais pas comment ils ont fait pour le confondre. Oui,
Et il y a un gentil taxi qui m'a aidé. Oh, mais ça me brûle la bâche. C'est un peu un mal de chien. Ça le brûle. Vous avez appelé les médecins? Ben, on essaye. Je crois qu'il doit avoir deux balles dans le... Donc, rentrez dans l'hôpital. Mais elles sont sorties. Oui, vous croyez que c'est une bonne chose. Et au niveau du torse. Rentrez dans l'hôpital déjà, monsieur Malin. D'accord, je vais... Attendez, je prends ma respiration quand même, d'accord? Je vais vous tenir. Oui, c'est gentil. J'ai juste besoin de... Ouh, j'avance doucement, c'est parti. Allez vous asseoir. Oui. On va prendre des bandages et compresser. Ok, d'accord. Merci Ashley. Ça me pique un peu quand même. Et pourquoi ils ont fait ça? Ils savent pas viser les chasseurs. Ça se voit quand même qu'on n'est pas des lapins, c'est vrai, hein? Mais oui, ils sont débiles, putain. Venez vous mettre là. Ah oui, je vais me mettre là. Hop. Bah écoutez, messieurs, c'est pas que je vous aime pas, mais j'ai mon service à prendre, du coup, bah, je vais vous laisser. Ah merci, non. Monsieur, c'était très gentil en tout cas. Ah oui, merci. Pour moi. Et je peux vous donner un peu de sous si vous voulez. Passez une bonne soirée. Non, merci. C'est bon, ça ira. Mais de toute façon, j'en ai pas. Bonne soirée, monsieur. Oh là là, merci. T'abuses. Alors que nous, on est des gens bien quand même. Tiens, bon, Merlin. Et il t'arrive toujours des. Ça des va galères, s'arranger. Mais oui. Mais tiens, attends, je vais prendre ce palin et tu vas appuyer sur la plaie. Attendez. Allonge-toi, Merlin. Oui, je vais me. Mais oui, mais je sais même plus comment on fait, c'est pour dire, hein, c'est vraiment. Oui, c'est le choc, c'est normal. Positionne-toi, allonge-toi. Oui, je vais me positionner correctement, attendez. Ah, ben on peut pas se positionner sur ce truc-là, si, ou quoi. Si, tu peux. Est-ce que tu te sens. Bah, t'es blessé, donc. Ah, je vais me mettre comme ça. Ah, bon, bah, d'accord. Oui, ça, là, je me sens bien. Et elles sont où ça a tiré où? Il a tiré dans l'épaule et dans le torse, là, regardez. Ah, là, oui, là. D'accord. Ok, je vois. Oui, épaule et le torse. Mais les deux balles sont ressorties. Mais ça saigne en fait, c'est ça qui est chiant. Et ça me brûle. Appuyez sur la plaie en attendant. Je vais avoir d'un hématome. Ah bah là, si vous avez pris une balle, c'est plus qu'un hématome. Hein. Ah oui, vous pensez? Bah oui. Hein. Bah ça coulait quand même. Ah oui, ouais, ça me faisait des giclées en fait. Ça me faisait piou piou comme ça me brûle. Et j'ai plus beaucoup de salive non plus. Ah, restez calme et les médecins vont arriver. Ah oui, mais j'ai plus de salive, ça me pique, ça me brûle. Bon, si se peut ça. Ah, Boris, vite. Boris. J'arrive.